Revelation 14. Verset 13. Verse 13. Tout le monde y est? Alors j'entendis une voix du ciel qui me disait. Then I heard a voice from heaven say. Écris. Write. Bénissons dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Oui, c'est vrai. Yes, says the Spirit. Dit l'Esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. They will rest from their labor for their deeds will follow them. Alléluia. Alléluia. Alors je demanderai à ceux celles qui ont des chewing-gums si c'est possible de le mettre de côté juste pendant le temps. So I'd like for those of you who were chewing gum, à moins que vous ayez un problème de nausée, ça n'a pas de problème si vous avez des problèmes de santé. Écoutez bien ce que Dieu veut partager, so listen communiquer to à chacun. What the Lord wants to convey as a message to each and every one of us. La parole est capitale. The word is so capital. Elle est indispensable and really à notre salut. To our salvation. Je rends grâce au Seigneur de voir autant de jeunes. And I give thanks to the Lord to see so many youth. Des visages que j'ai pas vus depuis quelques temps. Faces that I haven't seen in a very long time. Et je vois que vous continuez à persévérer. And I see that you carry on. Ça nous fait vraiment plaisir. And it's really, really pleasant. Et ce livre, comme vous le savez, so est le dernier. As you already know, is the last one. Écrit dans les années 95 après Jésus-Christ. It was written in the years 95 AD. Mm-hmm. Jean était un vieillard. John was already old. Il attendait la mort. He was just waiting for death. Il reçoit des grandes révélations. And then he received great revelations. Dans le chapitre 4, on the chapter 4, l'ange lui disait, le Seigneur lui disait, monte ici. The angel told him, come up here. Je te montrerai les choses qui vont arriver. I shall show you the things that will come to pass. C'est le livre de notre avenir. It's the book regarding our future. C'est le livre qui dévoile le futur. It's the book that unveils the avec future. Ce livre, nous pouvons voyager dans le futur. With this book, we can travel through time. Et ce livre nous montre l'achèvement ou la fin de toute chose. And this book, le déroulement des choses concernant la fin de toute chose. Right. This book shows us the achievement and the fulfillment of the end of all things, the process also. Cette parole me touche beaucoup. And this word right here touches me a lot. Une voix qui vient du ciel. A voice is coming out from heaven. Dieu parle depuis le ciel. God spoke from heaven. Il dit à Jean. And he told John. Écris. Write. Pourquoi? Why write? C'est pour toi et moi. It is for both you and I. Il a reçu l'ordre d'écrire les choses qu'il voyait, qu'il entendait. He received the order to write things that he heard and seen. Parce que nous, peuple de cette génération, because we people of this generation, avions besoin et avons besoin de ces choses. We need those things. Les Écritures. The scriptures. Et qu'est-ce qu'il devait écrire? And what did he have to write? Bénissons les morts qui meurent dans le Seigneur. The Lord told him to write blessed. Yes. The Lord told him to write. Blessed are those who die in the wow. Lord. Frères et sœurs, brothers and sisters, je pense que vous le savez tous. Hein, as you already know, nous allons tous mourir. We shall all die someday. Personne ne peut s'y échapper. No one can escape. Personne ne peut échapper à la mort. No one can escape death. Nous allons tous y passer. We will all die. Je regardais, je suivais les informations il y a quelques jours. I was watching the news a couple days ago. Une femme de 26 ans. A 20 years old woman. Ex-miss de son pays. Former miss of her country. Très belle femme. Very beautiful lady. Elle est partie faire du jogging. She went out to jog. Elle était sur une espèce de falaise, elle a glissé, elle est tombée. And she was on the cliff and she fell off the cliff and she died. Elle est morte sur le coup. She fell to her death. 26 ans. She died. Très belle femme. She was 26, she was et la mort avait rendez-vous avec elle. But death had an appointment with her. Je ne pense pas qu'elle soit morte dans le Seigneur. And I truly don't think that she died in the Lord. Vous savez, le Seigneur m'a enseigné quelque chose il y a quelques jours. You know, a couple of days ago, the Lord told me something. Sur l'économie. Comment économiser notre temps. On saving, how save our time. La gestion du temps.
the management of time. Il y a quelques mois, a couple of months ago, il m'a parlé clairement, he clearly spoke disant qu'il nous restait 3 minutes dans son horloge. On the fact that there was just 3 minutes left on his clock. Et les scientifiques nous parlent également quelques mois après qu'il reste 3 minutes dans l'horloge nucléaire. And the scientists also spoke about it in the newspapers a couple of months down the road. Dieu parle avec précision. The Lord speak accurately. Nous ne connaissons pas le jour de son retour. We don't know the day. Mais nous savons une chose. Return, but we surely do quand on know regarde ce qui se passe dans le monde, when we look around and see what's going on, nous sommes vraiment à la fin. We are definitely in the end time. Regardez ce qui se passe avec la Russie. Look around what's going on with Russia. Regardez ce qui se passe en Syrie. In Syria. Est-ce que vous savez que la Syrie, do you know that Syria, c'est en Syrie, it's in Syria, que pour la première fois, that for the very first les time, disciples de Jésus-Christ étaient appelés chrétiens. The disciples of Jesus were called Christians. Qui ne le savait pas? C'est à Antioche. Il y avait deux Antioches. There were two Antioches. Antioche de Pisidie. Antioche Pisidia. Et Antioche de Syrie. Antioche of Syria. Vous vous rendez compte? Acte 13. Non, on ne va pas le lire aujourd'hui parce que ce n'est pas le message. En fait, c'est pour nous montrer que nous sommes vraiment à la fin. That we are truly in the end time. Regardez. Look. La Russie. Russia. C'est juste une parenthèse. Just a bracket that I'm opening real quick. Soutient la Syrie. Russia supports Syria. Et beaucoup de nations musulmanes. And also many Muslim countries. Regardez, la France a livré les deux navires qu'elle était censée vendre à la Russie. Elle les a livrés a vendu en Égypte. And France, aux Égyptiens. Pourquoi? The two battleships that France were supposed to hand over to Russia, they actually then did hand them over to Egypt. D'après la prophétie biblique, according to the biblical prophecy, l'Égypte va jouer un rôle majeur. Egypt will have a very important place dans, n'est-ce pas, la mise en place du gouvernement mondial et aussi lors de la troisième guerre mondiale. According to the biblical prophecy, Egypt has a very important position as far as regarding the implementation of the New World Order and the Third World War. Regardez bien, suivez les informations. And watch the news. L'Égypte, l'armée égyptienne consolide de plus en plus, n'est-ce pas, ses armes, hein, donc son arsenal. On the news, we see that Egypt's armies are kind of building up their armies. And the harmonies and everything. Regardez, n'est-ce pas, le terrorisme. Look, terrorism. Boko Haram. Et en Afrique. In Africa. Vous voyez, il y a des troubles partout. There are trouble all over the place. Et comme je disais, la Russie soutient donc la Syrie et beaucoup de nations musulmanes. Russia supports Syria and also many Muslim countries. Et les Américains. And the Americans. La France, l'Angleterre. France, the British. Soutiennent. They also, n'est-ce pas, they support certains rebelles, some rebels qui combattent en Syrie. Who donc on voit bien que la Syrie devient un champ de bataille entre la Russie et la Chine d'un côté, donc les nations arabes, et les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne de l'autre. Donc c'est nous sommes à la veille de la troisième guerre mondiale. Right. So we've also noticed that Syria has become a battlefield between the Western countries and the Eastern countries. Et beaucoup de gens ne se rendent même pas compte. And many people are not even aware of it. Alléluia. Alléluia. La parole dit. The word says. Béni. Blessed. Ceux et celles qui meurent dans le Seigneur. Are the dead who die in the Lord. Alors pose-toi la question. So ask yourself. Lors de ta mort, quand tu mourras. When I die. Est-ce que tu mourras le Seigneur, will I die in the Lord? Ou tu mourras dans le péché? Or will I die in sin? Nous sommes allés une fois à mission à Maryland. Once we went to a mission in Maryland. Nous sommes allés voir un couple. We went to see a couple. Et ce frère nous racontait une histoire qui est arrivée à un pasteur. And this brother recounted us a story that happened to a pastor. Ce pasteur disait à sa femme qu'il allait en mission. This pastor told his wife that he was going to il go a fait ses bagages, mission. Il est parti. Up and he went out en fait, il était parti mission. Voir sa maîtresse. As a matter of fact, he went to see his mistress. Et pendant qu'il couche avec, and as he was sleeping with her, il a fait une crise cardiaque. He had a stroke. Il est mort sur elle, nu. He died upon her, naked. Je
Frères et sœurs. Brothers and sisters. Beaucoup se disent non, mais moi je suis déjà chrétien, c'est bon. Many think, oh, I'm Christian. Attention. It's all right, but il y aura beaucoup de surprises. Look out, because there will be many surprises. Dans quelles conditions la mort va-t-elle te trouver, me trouver? Which condition will death find you when it comes to? On n'y réfléchit pas, on n'y pense pas. We never think. On se dit, on a le temps. We never think about it. We think to ourselves that we have time. On pense avoir tellement le temps. We think we have so much time qu'on va rentrer dans, n'est-ce pas, dans la distraction. That we kind of slack. On se laisse entraîner par des amis que l'on rencontre sur internet, dans les assemblées, qui nous amènent à la distraction. We are getting distracted by people that we encounter on internet or in the churches. Et on perd beaucoup de temps. We slacken and we waste time. Beaucoup de temps. We waste a lot of time. Paul dit à Timothée. Paul told Timothy. Veille sur toi-même. Watch upon yourself. Veille sur la doctrine. Watch upon the doctrine. Car en agissant ainsi, for acting like this, tu te sauveras toi-même. You shall save yourself. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. And also those who listen to you. Attends. Timothée était déjà sauvé. So well, time out. Mais, Timothy was already saved. Mais pourquoi Paul lui dit? So then why does Paul say? Veille, that if he watches, il va être sauvé. He shall be saved. Nous sommes sauvés. We are saved. Par espérance. By hope. Mais il faut veiller. But you need to pour watch. Que ce salut, so that this salvation, soit effectif à la fin. Becomes effective at the end. Bénissons les morts dans le Seigneur. Blessed are the dead who die in quoi? The Lord. What does this word mean? Il y a mean? Des morts qui ne sont pas bénis. There are dead people that are not blessed. Je suis allé à Martinique une I fois went mission. To Martin one time in a mission. Et un frère qui travaillait à la morgue là-bas, il venu me voir. And a brother worked at the mortuary over there told me. Il me dit frère. He told me brother. À chaque fois. Every time. Que je prépare un corps. That I prepare a corpse. Il le vide de leur sang tout ça. He empties out the corpse from the blood and stuff. C'est un travail terrible. It's a very terrible job. Il dit quand c'est un chrétien qui craignait Dieu. He told me that every time it's a Christian who used to fear God. Il dit je sens qu'il y a autour de du corps il y a la paix. He said that I feel all around the dead body there's peace. Mais il dit la plupart des corps. But he said most for the quand most part. Quand ils commencent à les apprêter. When they get them à les préparer. When they prepare il a des frissons. He has thrills. Il sent qu'ils sont mal partis. He has chills because he fathoms that qu'ils sont morts dans des conditions difficiles dans le péché. Because he fathoms that they died in very difficult conditions. Et il a dit, hein, in sin. Il dit il y en a très peu. There are a few. There's a few. Et c'est comme ça qu'il sait s'ils sont sauvés ou pas. And that's parce how qu'il he sent. Knows when they are saved or not because he feels it. On s'en rend pas compte, hein? We don't realize that. Oh non, on est encore jeune. We're still young. J'ai encore du temps. I got time ahead. Je veux encore profiter. I want to live it up. Ma vie. Vous savez? My life, it's all oh, about my les life. Gens te disent à chaque fois, t'es belle, t'es beau, t'es beau. You're beautiful, you're good looking. Oh Seigneur, sauve-nous. Please, Lord, save us. Pourquoi why? Ces morts sont-ils bénis? Why are those dead people? Why are those dead blessed? Premièrement parce qu'ils sont morts dans le Seigneur. First and foremost because they died in the Lord. Jeune fille, écoutez bien. Young girl. Le monde nous ment. Listen carefully. The world lies to us. Vous avez vu ce car? Did you see this cet accident car, de car? Plus de 52 morts. This bus crash over 52 dead people. Over 52. Ces jeunes qui étaient dedans. All those youth. Vous pensez qu'ils savaient qu'ils allaient mourir aussitôt? Did you think? Do you think that they thought they would die so young? Le monde nous ment. The word last. Le monde nous propose quoi? What does the word propose to us? Beaucoup de choses. Many things. Beaucoup de choses. Many things. Mais regardez. But look. Une personne va se donner toute la peine du monde. Someone, pour construire une maison. Someone will strive all his life to build a house. Elle va mettre là-dedans toutes ses économies. He will. C'est pas mauvais. He will pull in all his savings. Elle va avoir des problèmes, cette personne, avec des gens, pour avoir cet argent. This person will have problem with people to have this elle money. Va se créer des problèmes, des ennemis. This person will bring problems and elle, will cette have personne enemies. Va travailler dur pour avoir des belles chaussures. This person will labor a lot to have beautiful shoes, but weirdly, le jour de sa mort, on the day of his death, on refuse de l'enterrer avec tous ses biens. We refuse to bury him with all his goods. On l'enterre simplement. He is buried simply.
Attendez. But hold up, hold up, hold up. 40 ans de souffrance. 40 years of suffering. 50 ans de souffrance. 50 years of suffering. Pour partir les mains vides. To go empty-handed. Regardez. So look. Tous ces grands qui ont laissé leur nom sur terre. All those greats. Oh, left their name on earth. Ça a servi à quoi? Ça sert à quoi dans le monde à venir, dans l'autre âge? Ça va leur apporter quoi? What was the use of it? What was the worth? C'est ce que beaucoup font dans le That's monde. What many are doing. Ils font tout pour marquer cette génération avec en laissant des marques. Je parle des gens du monde. I'm talking about the people of the world. They do everything possible on earth to mark their generation. Et après? But what next? Ce succès là. This success ça ne le poursuit pas après. Doesn't follow them in the hereafter. C'est que pour ce monde. It's only for this world. Et après? But what in the hereafter? Quand on demande aux frères et sœurs de mettre de l'ordre dans leur vie, les gens disent, oh, when we ask brothers and sisters to put their lives in order, oh, on a le temps. They go, oh, we got time, yo. On verra we'll ce jour-là. See. We'll see. Laissez-moi vous dire. Let me tell you. Pour avoir côtoyé la mort. Pour avoir vécu la mort. Because I've experienced death. Quand elle frappe. When it smites you. Frappe. It smites you for real. Les morts en Christ sont bénis. The dead in Christ are blessed. Parce qu'ils vont se reposer. Because they will rest. De leurs travaux. They will rest from their labor. Wow. Frères et sœurs, brothers and sisters, écoutez bien s'il vous plaît. Listen up, please. Jeunes filles, jeunes garçons. Young man, young boy, young girl. Dieu t'a envoyé ici sur terre. The Lord sent you down here on earth. Pour des travaux bien précis. For very precise labor. Et regardez. And look now. Quels sont les travaux dans lesquels Dieu t'a établi? What are the labor the Lord has established you vous for? Vous ne vous rendez pas compte. You don't realize. On va perdre du temps. We waste time. Dans la distraction. In distraction. Dans les amitiés charnelles. In a carnal friendship. Et on on ne fait pas les travaux que Dieu nous a confiés. And we don't do the labors that the Lord has entrusted us. Il y a un travail. There's a work. There's a labor. Tu es venu sur terre. You came down here pour un travail. To labor. Précis. For a very precise labor. Oh oui, croyez-moi. Yes. Et ceux qui meurent dans le Seigneur seront pauvres par rapport à leurs travaux. Will be poor regarding en fait, their labor. C'est la même chose avec la retraite basically, en France. It's pretty much the same thing with retirement. Les gens vont travailler dur. People work regardez hard. Pendant des années. They labor hard pourquoi for years. Why? Parce qu'ils espèrent avoir une bonne retraite. Because they hope in a good retirement. Mais regardez, au lieu de travailler pour le Seigneur, nous chrétiens, but instead of working for the Lord, as Christians, nous passons le temps dans la distraction. We spend all of our time in distraction. Oh, je suis fatigué. I am worn out. Oh, je n'en peux plus. I can't take it anymore. Oh, je ne veux plus. I don't want no oh, non, more. Mais je suis encore trop jeune. I am too young. Et on gaspille combien de temps? Un an, deux ans, trois ans, quatre, 20 ans, 30 ans. And we waste 1 year, 2 years, 3 years, 20 years. Oh Dieu. Lord. J'ai compris une chose. I understood one thing. Je ne veux plus subir l'amitié. I don't want to undergo friendship. Des gens. Non. I don't want to undergo je dois choisir dans anymore. La prière mes amis. I want to pick out in prayer pourquoi? My friends. Why? Parce que nous avons des travaux. Because we have labors to do to carry out. Si tu traînes avec les gens avec des gens qui n'ont pas de vision, qui ne pensent plus, ne savent pas qu'ils ont un travail à faire. If you rub shoulders with people who do not know they have a labor to accomplish, ils vont t'amener à la distraction, ils vont t'amener à les murmures, les critiques, they will bring you to criticisms and murmurs. Ils vont te sortir de ta vision, they will take you out of your calling and your vision. Alléluia. Alléluia. Wow. Vous pensez que Dieu nous vous laisse en vie comme ça pour rien? So why do you think the Lord is keeping you guys alive for? Vous pensez que si nous sommes en bonne santé, nous sommes en vie, c'est parce que Dieu, parce que nous sommes, parce que nous prions beaucoup? You think because we're healthy, that's because we pray a lot? Toi, tu penses que si Dieu a permis que tu dépasses la vingtaine, c'est parce que tu es beau, parce que tu es belle? You think that
If the Lord has allowed you to go past 20 years because you were just beautiful, parce que tu es suivi par un médecin, or because you were treated by a doctor, il y a des gens qui sont suivis tous les jours par des médecins, there are people who are treated every single day by doctors, pour voir s'ils ont des maladies cachées, to check whether they have disease that are hidden. Et puis en sortant l'église, ils meurent. And coming out, they just slip and they die. Ils sortent du cabinet médical et ils se font renverser, ils meurent. They walk out of the building, they get run over and they die. Si Dieu te laisse encore en vie, if the Lord keeps you alive, c'est parce qu'il voit que tu n'as pas encore fini la mission. It's because he sees that you haven't accomplished your mission yet. That's all. Paul dit, Paul says, j'ai combattu le bon combat. I fought the good battle. J'ai achevé la course. I achieved my race. J'ai gardé la foi. I kept faith. Mais nous avons un combat à mener. But we have a battle to carry out. Un combat par rapport à nous-mêmes. A battle regarding ourselves. Parce que notre chair veut nous faire tomber dans le péché. Because our flesh wants to make a sin. Notre chair, our flesh, ta chair, your flesh, te dit cette femme est belle. Tells you, this woman is cet homme est beau. Beautiful. This man is good looking. C'est pour toi. Elle est pour toi. She's for you. La chair, flesh, elle te fait souffrir. Makes you suffer. Il y a un combat à mener. There's a battle to carry out. Parce que la chair because ne veut pas que tu fasses ce travail pour le Seigneur. Wants you to labor for the Lord. Il y a les pensées. There are thoughts que l'ennemi envoie. That the devil is sending. Les démons. Demons, Satan, les sorciers, sorcerers, ces pensées qui viennent, those thoughts, pour te troubler, to trouble you, afin que tu ne fasses pas le travail du Seigneur. So you may not do the labor of the Lord. Ensuite, il y a les copains, then there are il y a des frères et sœurs parfois dans les assemblées, sometimes the brothers and sisters in churches, qui sont tellement charnels, they are so flat, qui vous éloignent du travail du Seigneur. They are so carnal that they take you away from the mission ça of the Lord. Ça peut être ton mari, might be your husband, ça peut être ta femme, might be your wife. Et si tu ne fais pas attention, you don't pay attention, tu perds des années. You waste years. Jésus a dit un jour, Jesus said one time, choisissez qui vous voulez servir. Choose who choisissez you qui vous voulez servir. Choose who you want to et moi serve. Et ma maison, I and my house, nous servirons Yahweh. We shall serve the Lord. C'est une question de choix. It is a matter of choice. Qu'est-ce que tu as choisi? Have you chosen? Yeah. Yesterday, je subissais l'amitié des hommes. I used to undergo people's friendship. Ensuite, Dieu m'a dit, then the Lord told sépare-toi. Separate. Ils n'ont pas voulu beaucoup. Hein? Beaucoup n'ont pas voulu. Break away. Je dis, je me sépare. Many didn't je n'ai pas le choix. I break away et depuis que je me suis séparé, because I ain't got choice, but since voilà le réveil. Separated. Ever since I've broken voilà away, la revue de la Bible. I saw revival. I saw voilà les missions ici et là. I saw different missions around the world. De conversion. Same conversions. C'est une question de choix. It is a matter of choice. Il ne faut pas accepter de mourir sans avoir fait quoi que ce soit. You shouldn't accept to die without having done anything. C'est comme quelqu'un qui veut avoir une retraite alors qu'il n'a pas, il a travaillé juste 2 ans dans sa vie. It's pretty much like somebody who wants to have a retirement when he actually just worked 2 years in his. Vous jeune, you young, vous avez la grâce. You have grace. D'avoir accepté Jésus-Christ. You are gracious to have d'avoir été touché par Jésus. Christ in your life and to have been touched dans by votre Lord, jeunesse. In your youth. Donc imaginez. So now, toutes ces années qui vont, qui sont devant vous. All those years that you vous allez devoir you, les utiliser. You will have to use pour servir Dieu. Serve the Lord. Imaginez. Try to quand Dieu va faire la comptabilité à la fin. When the Lord will do the account. Oh, jeunesse. Oh, you. Alléluia. Alléluia. Vous savez à quel âge j'ai commencé? Do you know what age? À l'âge de 5 ans. Do you know what age I started off when I was 5 years or 5 years old? À l'âge de 5 ans, j'ai commencé à servir Dieu. At the age of 5 did I start? À 12 ans, je voulais déjà construire des orphelinats. Serve the Lord. When I was 12, I already wanted to build orphanages. Wow. Nous sommes, nous chrétiens, nous sommes des bâtisseurs. We Christians are builders. Nous sommes des producteurs de preuves. We are proof makers. Nous construisons quelque part. We build somewhere. Le Seigneur dit quoi? What has the Lord said? N'amassez pas sur terre où on peut voler. Do not lay up on earth when. Mais il faut amasser là-haut. That when where things can be stolen, but you need to lay up. Donc, in ma soeur, heaven. My sister. À chaque fois que tu laisses un homme caresser ta poitrine. Every là, time you let a man caress your breast. Tu t'éloignes du travail que Dieu t'a confié. You actually take away from the work the Lord has entrusted you. Alléluia. Alléluia. On va se moquer de vous. You à l'école. On va se moquer de vous au lycée. On va se moquer de vous au travail. Work, you will be mocked. C'est pas grave. But it's not a big deal. Vous savez you know où vous allez après. Where you are headed to. Allez.
Alléluia. Alléluia. Vous savez ce que Dieu vous demande. You know what the Lord is requiring from you. Bénis sont les morts. Blessed are c'est pour cela un chrétien qui meurt. And that's why a Christian regardez dies. Son visage. Look his face. Il brille. He's bright. Pourquoi? He's radiant. Parce qu'avant sa mort, because before his death, Dieu le prépare. God prepared him. Dieu lui montre le ciel God déjà. Showed him, the heaven already. Pour le préparer. To prepare him. Je vous dis, I'm telling les vrais chrétiens avant de mourir, true Christians ils voient des choses. They see things. Ils préparent les choses. They prepare things. Dieu leur demande d'arranger tout ce qu'ils ont à arranger. The Lord gets them to prepare everything that needs to be bien put bien in sûr. Order. Yes. Les travaux. Labor. Imaginez, vous avez un travail à faire, des travaux par rapport à une maison, vous construisez une maison. Try to picture you have. Vous allez vous focaliser sur le travail. You need to do home improvements. You will focus on the home improvement. Vous n'allez pas vous laisser distraire. You will not get distracted. Alléluia. Alléluia. L'ennemi tout ce qu'il veut, the enemy always, c'est vous distraire. The sole aim of the enemy is to distract. Qui connaît l'histoire de Néhémie dans la Bible? Who knows the story of Nehemiah in the Bible? Lorsque Néhémie s'est mis à reconstruire les murailles, when Nehemiah started rebuilding the strongholds, les Sambala, les Tobija sont venus. They came along. Ils ont voulu le distraire. And they wanted to distract him. Néhémie avait à sa main gauche une épée. Nehemiah had a sword. À sa main droite une n'est-ce pas une lampe? He had a sword in his left hand and a lamp in his right hand. Nous sommes des réparateurs de brèches. We are breach builders and repairers. Alléluia. Alléluia. Dieu dit je cherchais parmi eux un homme qui se tient à la brèche. The Lord said I am looking for a man among them who is standing in the gap. Nous sommes de ceux-là qui se tiennent devant la brèche. We are of those who are standing in the gap. Et quand une belle femme vient, je dis non, je ne veux pas. When a beautiful lady is distraction. When a beautiful lady is walking past, we do not get distracted. Alléluia. Alléluia. Tu lui dis j'ai un cadenas sur mon caleçon là, j'ai un cadenas. Alléluia. Bah oui. Il faut parler terre à terre. Dis-lui un cadenas là. Tell him there's a padlock on my body. Alléluia. Alléluia. Ça ne baisse pas. Au nom de. Voilà. C'est une prophétie, il faut déclarer la parole. It's a prophecy, you need to utter it. Tu vois un bel homme, tu dis, oh, j'ai des lunettes spirituelles. You see a good looking man, you say, je ne vois pas ta beauté. I don't see your beauty. Mais je vois Jésus de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Alléluia. Là, on acclame l'homme, on acclame le Seigneur. Now let's give a hand clap for the Lord now. Alléluia. Alléluia. Parce qu'une femme peut te distraire. Because a woman can easily distract you. Tu tombes tellement amoureux que tu ne vois plus le Seigneur. You are so much head over heels for her that you don't see the Lord anymore. Un homme peut te distraire. A man may distract you. Souviens-toi quand tu t'es converti. Remember when we converted. Comment tu étais zélé. How zealous you were. Comment tu priais. How you were. How comment you were tu jeûnais. Fasting. How much you were fasting. Les travaux. Labor. Qu'est-ce que Dieu te demande? What is the Lord demanding? Quels sont les talents que Dieu t'a donné? What are the talents the Lord has given you? Quelles sont les grâces que Dieu t'a donné? What are the different gifts the Lord has given you? Et je me suis rendu compte and I realized que beaucoup de gens that people meurent die sans avoir fait même la moitié des travaux que Dieu leur a confiés. Without having even made half of what the Lord had required them to do. Vous savez pourquoi? You know why? À cause de la distraction. Because they get distracted. Ils ne savent pas économiser leur temps. They do not know how to save up time. Combien de temps il te reste à vivre là? How much time do you have left to live? You're 31. Il te reste 40 ans. You have 39 40 years. Ans. You have like 39 donc, years faut to live. Donc il faut économiser tes 39 so you need ans. To save là. Up those 39 years. Tu te rends compte? You realize now. C'est comme une batterie quand on a le téléphone, là, vous voyez, non? It's like a battery when on regarde when les barres là. You check the bars. Ah, qu'une barre qui part, une deuxième, ou l'autre. Oh, a bar comes off. Oh, another one. Bah ouais, c'est la même chose. That's pretty much the same à thing. À chaque fois que tu fais ton anniversaire, every time you c'est une barre qui s'enlève. It's a bar that comes off. Au lieu de te réjouir, instead of rejoicing, commence à te préparer. Begin
to prepare Parce qu'à chaque fois que tu souffles sur une bougie, because every time you blow a candle, tu dois te dire que tu t'approches un peu plus de la tombe. You need to know that you are drawing near to the tomb. Nous faisons tous un voyage. We are all traveling. We are in De la naissance à la tombe. From the childbirth to the tomb. Et il y a des personnes qui décèdent là dans des souffrances atroces. Hein. And there are people that are dying in agony. Aidez-moi, je le vois. On en a connu. We've known people like that. Pasteur, priez pour moi. Pastor, pray for me. Frère, priez pour moi. Father, pray for me. Ne me laissez pas seul. Dit, mais qu'est-ce qui se passe? Leave me alone. You're like, what's going on? Et la personne voit. This person is seeing. Ah oui. Yes. Un homme de Dieu. A man of God. Un homme de Dieu américain. An American man of God. Avant sa conversion. Before he got converted. Il ne voulait pas du Seigneur. He didn't want the Lord. Il ne voulait pas prier. He didn't want to pray. Il se moquait du Seigneur. He would mock God. Et un jour, il tombe malade. And one day, he fell sick. Sur son lit d'hôpital. On his bed rest. Il sort de son corps. On his hospital bed. Avec son esprit. Out of his body above, with his spirit. Et il descend en enfer. And he went down to hell. Et sa grand-mère était avec lui. And his grandmother was with him. Et il s'est vu en enfer. And he saw himself il a in vu hell. Des démons s'agripper à lui. Il a tiré vers le bas. Grabbing him up and reaching down. Et il a commencé à pleurer. They were pulling him down. Il est revenu dans son corps. And he went back to his body. Il attrape sa grand-mère. He grabbed his grandmother. Ne me lâche pas, j'étais en enfer. Mother, don't let me go. I was in hell. De nouveau, il sort. Once again, he went il out of his body. Se retrouve encore en enfer. He went back to hell. Il pleure, il crie, il crie, he cried, crie. He shouted. Il réintègre son corps. And he went back to his body once more. Et il a crié au Seigneur. Il a demandé pardon au Seigneur. And he cried out to the Lord and asked for forgiveness. Et Dieu l'a sauvé. And the Lord saved him. Il est devenu un grand homme de Dieu. He became a great man of God. Il a fait beaucoup de choses pour le Seigneur. He did many things for the Lord. Et il est mort, âgé. And he died après old, avoir rempli sa mission. After having completed his mission. Pour ces morts-là se reposent de leurs travaux. Those dead are resting from their labor. Wow. Regardez. Toutes les souffrances par lesquelles nous passons. All the suffering that we're experiencing les critiques, out here, the criticism, the les problèmes dans les foyers, the different household tout problems, ce que vous subissez, whatever you alors que vous craignez through, Dieu, ceux qui craignent while Dieu. You're fearing the Lord, those of you who fear the Lord, vous savez pourquoi vous le subissez? You know why you were undergoing this? Seule raison. It's for a sole and only reason. Parce que Satan, because Satan sait knows que vous pouvez être très dangereux. That you might be very, very dangerous pour son royaume. For his kingdom. À cause de la connaissance que Dieu vous a donnée. Because of the knowledge the Lord has given à you. À cause de l'intelligence que Because Dieu vous a donnée. Because of the intelligence the Lord has given il you. Il le sait. And he knows it. Alors tout ce qu'il vous, toutes ces attaques. So all these attacks que vous subissez. That you are undergoing. C'est juste pour vous freiner. Those are just to break pour you. Vous bloquer. To slow you down. Vous éteindre. To hinder you and to vous fatiguer, quench your flame. Vous détruire. To where you vous are. Décourager. And to destroy you. Afin que vous baissiez les bras. To dishearten you and to discourage you. Si vous le faites, go. If you do it, c'est comme si vous adorez le diable. It's pretty much like you were worshiping the devil himself. Regardez ce que Paul a subi. Look what Paul went through. Lapidé plusieurs fois. He was stoned on many occasions. Blessé plusieurs fois. He was hurt, injured. Mais qu'est-ce qu'il a fait? But what did he do? Il n'a pas dit, oh, j'en peux plus, j'arrête. He never said, oh, I'm tired, j'abandonne. I give up. He never said that. J'ai combattu, disait-il, he le said, bon combat. I fought the right j'ai achevé battle, la course. Battle, and I achieved my j'ai gardé la foi. I kept faith. Vous savez quoi? You know what? Vos problèmes, your vos combats, your battles, vos difficultés, your hardships. Satan Dieu le permet. God allows them c'est to aussi pour nous façonner. It's also to en même temps, l'ennemi croit. And in the same time, the devil fails. And he wants détruire votre foi. Destroy your faith. Your la foi. Faith. Il faut la garder. You need to keep it. To treasure it. Tel un trésor. Such as a treasure. Ah oui. Yes. Alors, ils vont se reposer de leurs travaux. Then they will rest from mais ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur, il n'y a pas de repos. There's no rest. C'est tourment sur tourment. It's torment upon torment. Ah oui. Yes. Vous direz, mais oui, mais la mort c'est fini. Ah non, 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 non. Death, it's over after. Si no. tu meurs sans Jésus, you die without Jesus. Si tu meurs dans le péché, die in sin. Si tu meurs dans la masturbation, in masturbation. Si tu meurs dans la convoitise, in covetousness. Ça va être des tourments it sur tourments. Be about torments upon torments. Tourments sur tourments. Torments upon torments. Avant le jugement dernier. Before the last judgment. Phew.
Vous vous rappelez de l'histoire? Remember the story de Lazare et de l'homme riche. Of Lazarus and the rich man. Aha. Right. L'homme riche était tourmenté. The rich man was tormented. Croyez-moi. Believe me. Les membres de nos familles qui sont morts sans Christ. Our family members that are without Christ, they are in tremendous torments right now as we're speaking. Ils ne s'y attendaient pas. And they never expected it to happen. Il y en a quand ils arrivent là-bas. And some of them when they get there, ils disent non, je veux retourner. They say no, I want to go back. On lui dit c'est trop tard. They say it's too late. Le cordon qui relie votre esprit à votre chair est coupé. The thread that links your soul to your flesh, you know the silver thread that the Bible mentions. C'est écrit dans Ecclésiaste. And it's written in Ecclesiastes. Il y a un cordon qui relie ton esprit à ton corps physique. There's a silver thread that is connecting your soul to your flesh to your body. Et à la mort, on le coupe. And when you die, it's cut off. C'est fini. And it's over. Fini. It's over. C'est pour ça même les sorciers. That's why even the sorcerers. Il y a des distances qu'ils ne peuvent pas franchir. There are distances that they cannot overstep. Regarding their, you know, the distance of the sinon, silver thread. Sinon, ils meurent. If they go past this silver thread distance, they die. Oh Seigneur Dieu. Lord. Pardonne-moi. Forgive me. Je veux me rattraper. I want. On dit c'est trop tard. I want to make up. Tu as vécu dans la volupté. I want to make up for my tu as vécu dans l'impudicité. You lived in, tu as vécu dans le mensonge. Sin in lies. Tu as vécu dans la luxure. Tu as vécu lived in dans l'indifférence totale par rapport à la parole de Dieu. You lived in lust. You lived in total. Tu te croyais belle. Tu te croyais bon. You thought you were beautiful. You thought you were good looking. Et voilà où tu te trouves maintenant. And now here's what you are finding yourself now. Ce n'est même pas le lac de feu. And it's not even the lake of fire. C'est juste l'enfer. It's just hell. C'est provisoire. And it's provisory. It's temporary. Et la Bible nous dit. And the Bible says. Car leurs œuvres les suivent. For their labor, their deeds follow them. Wow. Donc nos travaux. So our labors. Ce sont nos œuvres. Are also our deeds. Vous vous rendez compte, mes amis? You realize, brothers? Ce sont nos œuvres. These are our. Regardez deeds. Bien. And now look, il y a les œuvres de la chair. There are fleshly deeds. Et il y a les œuvres du Seigneur. And there are also the deeds of the Lord. On connaît tous les œuvres de la chair. We all know the deeds of the flesh. Oh oui. We all know. Je voudrais dire à quelqu'un. I'd like to tell someone here. Que malgré tes combats. Despite your battles. Dieu n'y est pour rien. God has nothing to do with it. Je voudrais dire à quelqu'un. I'd like to say to somebody tu else. Tu es comme un train. You are like, pretty much like a train. Tu es comme un train sur, qui est sur les rails. Like a train on the rails. Qui filait à 200 km à l'heure. Who is riding very fast. Et sur ce rail, il y a eu des obstacles. There were obstacles. Il y a eu des moments de fatigue. There were moments of tiredness. N'est-ce pas? Il y a eu un temps où tu te ralentis. There was a time when you slowed down when you got weary. Mais il faut savoir se dire. But you need to tell cette yourself. Cette fois-ci, this time, je ne veux plus que rien ne m'arrête. You need to tell yourself. Je ne veux plus me laisser arrêter par quoi que ce soit. I won't let anything stop me. I won't let myself be stopped by anything else. Car ma vie. For my life, la vie éternelle est une affaire personnelle. Because the everlasting life is something that is personal. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai vu que dans ma vie chrétienne, certaines personnes voulaient m'arrêter. When I saw in my spiritual life that some people wanted to arrest me. Je m'en suis séparé. To hinder me, I broke away with them. Ah oui. Yes, I did. Le Seigneur même nous émonde. Hein, the Lord is pruning us. Pour porter encore plus de fruits. To bear even more fruits. Qu'est-ce que vous allez dire au Seigneur? What will you say to the Lord? Dieu, Lord, j'étais tellement fatigué. I was so worn out. Que bon bah j'ai dû abandonner. That I gave up. Ah non. No way. Ah non. No. Ah non. No way. Nous sommes sauvés par la foi. We are saved by faith. Mais attention. But les œuvres. However, our deeds. Dieu les produit en nous. The Lord produces them within us. Le Seigneur dit the Lord says, dans Jean 6, in John 6 parce qu'on lui a posé une question because he was asked this que faire question, what to do, pour accomplir les œuvres de Dieu to accomplish the word il a dit ceci the Lord, l'œuvre de Dieu the deeds of the Lord, c'est que vous croyez the work of the Lord, en celui qui l'a envoyé is for you to believe in the one the Lord has sent. Wow. Wow. Il est question de la foi and it's about faith out tu here, ne peux right pas there. Faire une œuvre you cannot qui honore Dieu do a work for the si Lord, tu n'as plus foi en lui if you no longer have faith in him. Alléluia. Alléluia. Et la foi, and faith, c'est quoi? What is faith? La foi, faith, c'est cette flamme. This fire. C'est ce feu qui te pousse à, qui anime le zèle en toi. This fire that compels you. That, la foi, that's cette conviction que tu as. Lights this revival quel que soit le dire des hommes. This conviction that you have that no matter mais je what people peux faire les choses. Can't do it. La foi, c'est quoi? Quel que soit ton sexe. What is faith?
Tu peux faire les choses. Whatever your gender, alléluia. Do things. La foi c'est quoi? What is faith? Quand le diable te dit, when the devil says tu n'es plus capable, you're no longer able. Tu es sec, you are dry. Tu es vide, you are empty. Tu es nul, you are naked. C'est là que tu dois te dire, you are quand je suis faible, that's when you c'est say, alors que je suis fort. I am weak, then I am strong. Alléluia. Alléluia. Car ce n'est pas toi qui fais l'œuvre. It is not you who are c'est working. Le Père qui it's fait son œuvre par toi, par nous. Through us. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des gens à qui I on a dit qu'ils ne peuvent rien faire. J'ai vu l'Esprit le saisir. I saw the Holy Spirit et je les ai vus accomplir des œuvres terribles. Frère, works. Je ne suis pas satisfait. I am unsatisfied. Vous savez, je ne suis pas satisfait. I am dissatisfied. Pourquoi? Why? Je pense que je n'ai même pas encore fait 20% de ce que I Dieu me demande. I haven't even done 20% of what the Lord is requiring from me. Oui, je suis frère. Si je dois partir un jour, if I have to go somewhere, je dois partir avec un sourire ici. I need to go with a smile. Jusqu'aux oreilles. All the way up to my c'est ears. Quand tu verras mon cadavre là, tu vas te dire mais il est content. So that when you see my dead body, alléluia. This man is happy. Mais comme je crois qu'on va partir tous à l'heure dans le vent, alors on va partir avec un sourire terrible. We all go with oh, alléluia. Right. Jesus Christ, alléluia, Jesus. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas? Who told you you were incapable? Qui t'a dit cela? Who told you that? Écoutez frère, écoutez Dieu. Listen up, listen God. Dieu me dit fais-moi la révision de la Bible. The Lord told me make the revision of the revised Bible. I said me? He said yes. Moi? I said Lord, oui. I? He said yes. D'accord. Then yes. Et les frères et sœurs, Dieu a donné des talents. Brothers and sisters, mobilisation. The Lord gave talents and they all got together. Première version. First edition. Deuxième version. Second edition. Et troisième version là là. Third edition soon. En cuir. In leather. Page dorée. A golden. Page jaune. Tout gold est possible. Everything's possible. 28 000 euros et on les a eu frères et sœurs. Par la foi, il ne reste pas grand chose. Just by faith, tout est possible. Je veux que ta foi soit reboostée ce soir au nom de Jésus. I want your faith to be boosted tonight. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la foi. Brothers and sisters, qui veut avoir une grande foi? Who wants to have a strong faith? Oh, ta foi, tu vas retrouver ta foi. Là. You will retrieve your faith. Dis à ton voisin, tu vas retrouver ta foi. Whenever you will retrieve your faith. Tell him you will retrieve your faith. Jesus Christ. Alléluia. Je vais te dire ceci. I want to tell you this. Ne pense pas parce que tu es une jeune fille. Don't think because you're younger. Que tu ne peux pas être utilisé par le Seigneur pour construire des orphelinats partout. That you can't be used by the Lord to construct orphanages. C'est la vision de quelqu'un ici. It is the vision of somebody here. Je vais te dire. I want to tell you. Tu peux. You is able. Parce que le Seigneur a dit. Because the Lord said. Nous ferons plus que lui. We will do even more than it. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Right. La vision. The vision. La vision, jeune fille. The vision, younger. La vision que Dieu t'a communiquée. Tu la verras se réaliser. See it come true. Les gens vont se moquer. People will mock les you. Gens chercheront à te décourager. People will seek les gens diront c'est impossible. People will do it quand tu entends impossible, when you hear impossible, dis-toi c'est possible. You need to tell yourself it's quand possible. Tu entends when you hear que c'est impossible, that it's impossible. Aïe, 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 aïe. Come on now. Come on with it. Une femme one girl à Nantes. In Nantes. Elle s'est dit. Je vais à cette réunion. I'm going to this reunion. Je serai guéri. I will be healed. Elle était sur chaise roulante. And she was in a wheelchair. Elle était, ses jambes étaient abîmées. Her legs ses jambes damaged. Étaient toutes molles. Her legs were loose. Elle est venue. She came. Dieu me dit prie pour elle. The Lord told me pray for her. Je touche ses jambes. Je touche I just ses touched jambes. Her legs. Je les ai touchées. I just touched them. Elle était comme ça là. And she was already moving them around like frère, brothers. Les travaux. The labors, les œuvres, the works, the deeds. Dans mon cœur, je me disais, ah, ici, heart, mon coco. Here, my man. Prie ton Dieu pour que ça marche. You better pray your God so it works. Parce que le monde entier te regarde. Because the whole world watches. C'est le Mont Carmel. It's Mount Carmel. Alléluia. Dieu, ton voisin, la foi, c'est la folie. Say your neighbor, faith is craziness. It's yeah, craziness. Regardez. See. Un aveugle. A blind man. Qui vous tend la main pour que vous le dirigez. Who reaches out his hand so you can drive him. Il aura totalement confiance en vous, vrai ou faux. He will totally trust you, right? Si vous à droite, il if va tourner à right, he will à go droite. Right. À gauche, if you turn à gauche. Left, vrai ou faux? Left, right or wrong. La foi, faith, c'est tu ne vois pas, mais tu crois que Dieu qui te conduit ne peut que te conduire dans la victoire. Faith is about
what you do not see, you, even if you don't see, you believe that wherever the Lord is guiding je you, touche ses jambes. Victory. I touched his, her legs. Elles étaient comme ça. And they were all loose. They were je dis, Seigneur, ces jambes-là, c'est compliqué. Lord, those legs, it's really complicated out je here. Je me dis, prie. The Lord told me, pray. Je prie. I prayed. Jambes. Legs. Obéissez. Obey. À la parole de Dieu. To the word of God. La parole vous a créé. The word of God created Elle you. Devenait raide, raide, raide. They got la teeth. Femme s'est mise, à, mise debout. She stood up. Frères et sœurs, elle a laissé sa chaise roulante. She left her wheelchair. Il y a deux dimanches, j'ai eu un frère de Nantes. Two Sundays ago, qui me dit, I reached out to a brother in Nantes. Qui me dit, told la, me, la femme est venue toute seule. The girl, she came on her, marchant on her normalement. She would walk normally. Son médecin l'a chassé de l'hôpital. The doctor, discharged parce her. Que le médecin de médecin l'a guéri pour le sœur. The doctors heal her. Alléluia! Les œuvres, c'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait. We're not doing the deeds, it's the Lord who does them. Qui croit que c'est possible? Who believes it's possible? Oh non, mais vous savez, c'est compliqué tout ça. Non, 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 non. C'est possible. Possible. Dans ton quartier là, c'est possible. In your neighborhood, it's possible. Le sorcier pour lequel tu pries là, c'est possible. The sorcerer for whom you pray, it's possible. Tu vois non? Ce que Dieu te met à cœur là. What the Lord is putting in your heart. Ça paraît énorme pour les gens. It looks so big, so grand for people. Ne regarde pas ta taille. Don't look to your. Ne regarde pas à tes origines. Don't look to your origins. Regarde à la parole qui a été libérée à la croix. Look to the word that was released on the cross. Everything is you. All is finished. Oh Jesus. Il y a une génération de femmes qui t'attend. Une génération d'hommes qui t'attend. Une génération de prostituées qui t'attend. Une génération de malades qui t'attend. Une génération de malades of sick. Oh, alléluia. Tu sais que par tes prières, you know that through your prayers, tes forteresses peuvent s'écrouler. Strongholds may be torn down. Tu sais que par te, même si tu pries 10 minutes par la foi, even if you pay, you pray 10 tes forteresses familiales, family strongholds may be torn down. Hein? Ces forteresses qu'on a établies depuis des années. Those strongholds that have been established for years. Ces forteresses que les ancêtres ont mis en place. Those strongholds that ancestors have set. Les liens familiaux des membres de ta famille. Generational family ties. Tu peux les briser par la prière. Them through prayer. Tu sais quoi? You know what? Dieu veut faire de toi une boule de feu. God wants to make you a fireball. Pour embraser. To set on fire. Pour enflammer. To set on fire. Non, 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 non. T'es devenu dangereux. You've become dangerous. C'est pour cela que tu pleures beaucoup. That's why you cry a lot. C'est pour cela que tu es beaucoup persécuté. That's why you are persecuted a lot. On ne peut blesser que celui qui est dangereux. We can only hurt si tu n'étais pas dangereux, if you weren't dangerous, Satan allait te laisser tranquille. The devil would have left you mais alone. Parce qu'il te craint. But because he fears je dirais, you, il craint ce que tu as mis en toi. He fears il craint l'appel que Dieu t'a adressé. The calling of God within you. Oh, Jesus. Ouais, 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 ouais. Il confirme vos appels. And he confirms your callings. Le Seigneur est en train de faire pousser tes ailes. The Lord is causing your wings to grow. Tel un aigle. Such an eagle. Pour prendre ton envol. To soar. Oui. The oil is flowing. L'huile coule. The oil is flowing. Personne, no one, ne peut te retenir. Can take you back. Personne ne peut t'étouffer. No one can hold you back. Personne ne peut t'éteindre. No one can quench you. Personne ne peut t'arrêter. No one can stop you.
personne. No one. Il n'est pas encore né. He's not Il born n'est yet. Pas prêt de naître. He's not about to be born. Jesus. Tu portes sur tes épaules, you are wearing upon your shoulders, le poids, the weight, de beaucoup d'âmes, of many souls, le fardeau, the burden, de beaucoup de jeunes, of many youth, le fardeau, the burden, de beaucoup de jeunes filles, of many young girls, sous tes épaules, upon your shoulders, les douleurs de l'enfantement, the labor pains, oh Lord. La terre ne te dit plus rien. Le monde ne te dit plus rien. You're not interested in the world anymore. C'est normal. And it makes sense. Parce que le Seigneur a déposé en toi. Because the Lord has laid in you. Son appel. His call. Il y a la semence de Dieu en toi. There's the seed of God within you. Parce que tu dois travailler. Because you gotta work. Tu es un bosseur. You are a laborer. Un bosseur. You are a laborer. On te blesse. You are hurt. Mais tu ne baisses pas les bras. But you don't let go. On veut te freiner. They want to mais tu te réveilles. But you revive. On veut te faire asseoir. They want to cause you to sit down. Mais tu es debout. But you are up. Dans la prière. In prayer. Dans la rue. In the street. Dans les trains. In the train. Dans les métros. In the subway. Dans les cités. In the ghettos. Au nom de Yeshua. The ghettos. Dans la présence du Père. The presence of the Father. T'empêcher de parler dans une assemblée. They might stop you from speaking in an assembly. On peut t'empêcher de parler dans une assemblée. They might stop you from speaking in an assembly. On ne peut pas t'empêcher de parler devant Dieu. But they can stop you from speaking. On ne peut pas t'empêcher de parler devant le Père. They can't stop you from speaking before the Lord. On ne peut pas t'empêcher de chasser les démons. They can't stop you from casting out demons. De commander aux chaînes de se briser. The chains to break, to cope. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Jesus. Oh, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Dieu confirme. Dieu confirme. Dieu confirme. Ça flamme en toi. Dieu te dit que tu ne vas pas échouer. God tells you, you won't fail. Tu ne vas pas échouer. You won't fail. Si les autres ont échoué, if others have failed, toi tu ne vas pas échouer. You won't. Ma fille, my daughter. Ma fille, my daughter. Ma fille, my daughter. Tu vas atteindre, you will reach, les objectifs, the goals, que je t'ai assigné. That I have entrusted. Tu vas les atteindre. You will. Tu vas les réaliser. You will accomplish. Mon fils, them. My tu vas les réaliser. You will accomplish them. Le péché, sin, le péché, sin, signifie, means, manquer de but, lack of goals. À chaque fois que tu pêches, every time that you sin, tu manques ta cible. You lack, mais à partir d'aujourd'hui, you miss your target. Tu ne vas plus manquer tes but cibles. As of today, you will au not nom de Yeshua, your target anymore. Tu ne vas plus manquer tes you cibles. Will not meet your target anymore. Tu as été créé, you were created, pour atteindre tes objectifs. To reach your goals. Tu as été créé, you were created, pour atteindre tes objectifs. To reach your goals. Oh Lord. Dieu veut t'embraser. God wants to set you on fire. Tu sais quoi? C'est comme si Satan disait à Dieu. It's like Satan said to the Lord. Attaque-la. Attack her. Si je l'attaque, if I attack her, elle va baisser les bras. She will let go. Tu verras. You'll see. Et là, tu as été attaqué comme Job. And that's how you were attacked just like Job. Et Satan va comprendre aujourd'hui. And Satan will know que tu ne vas pas baisser les bras. You will not give up. Jamais. Ever. Jamais. Ever. Jamais. Ever. Jamais. Ever. Jamais. Ever. Au contraire. Quite the opposite. Tu es encore plus déterminé. You are even all the more determined. Bénis sont les morts en Christ. Blessed are the dead in Christ. Elle a de la valeur, la mort de ceux qui aiment le Seigneur. The death of those who die in the Lord, or their death is really. Et ce jour-là,
And on this day, le maître t'appellera. The Lord will call you. Viens, ma fille. Come, my daughter. Et tu vas te présenter devant lui. And you will come up to him. Et il te dira. And he will tell you. Tu as bien travaillé. You labeled well. Tu as honoré mon nom. You honored my name. Tu as fait honneur à ma parole. You honored my word. Tu n'as pas baissé les bras. You haven't given up. Tu n'as pas abandonné. You haven't given up on me. You voici haven't ta let couronne. Go. Here is your crown. Imagine-toi. Picture it. Toi qui as 20 ans. You were 20 toi qui as 18 years old. Ans. You were 18 toi years qui as 16 ans. You were 16. Imagine-toi. Pendant 56 picture ans. Picture it for 56 60 years, ans. 60 years. 74 ans. 75 tu vas travailler years, pour le Seigneur. You will work for the Lord. Alors, imagine-toi. So now picture quelle it. Grâce. What a grace. D'avoir servi le Seigneur. To have served the Lord. Dès sa jeunesse. From the quelle grâce. The teenage. From the quelle grâce. From the youth. What a grace. Quelle grâce. What a grace. Et là, le Seigneur te dira. And now the Lord will tell you. Tu vois toutes ces âmes là. You see all the souls. Je les ai gagnées par toi. I gained you. I gained them through you. Ah bon, Seigneur? You oui. Really did, Lord? Oui. Yes. Yes, I did. Oui. Yes, I did. Et tu vois telle âme là-bas? And you know such soul over there. Tu lui as parlé de moi. You spoke. Parce que tu as obéi à ma to parole. To him of me, because you obeyed your word, eh ben, my word. Je l'ai utilisé cette so âme. Now je l'ai utilisé this soul pour toucher 10 millions touch de personnes. 10 million people. Ah bon? Really? L'obéissance. Obedience. Wow. Wow. Quelle grâce. What a grace. Tu es persécuté. You are persecuted. Tes parents ne te comprennent pas. You are misunderstood by your parents. But I'm going to tell you this. I'm going to tell you this, young girl. C'est une grâce. It is a grace. Si tu souffres comme ça. If you suffer like that, c'est parce que tu as de la valeur aux yeux du it's Seigneur. Because you are worthy in the sight of the Lord. Plus tu souffres, the more you suffer, à cause de ta foi, because of your faith, plus Dieu va te récompenser au ciel. The more the Lord is going to, oh oui, is going to, oh oui, give you a recompense in the heaven. Viens. The more the Lord is reward you in heaven. Tu sais quoi? Le Seigneur t'appelle ma princesse. The Lord is calling you my princess. Ma princesse. The Lord is calling you my princess. Il voit tes épreuves. He sees your trials. Il voit tes combats. He sees your battles. Il voit tes épreuves. He sees your trials. Il te dit. And he tells you. Je te connais. I know you. Il me dit de te dire. He tells me to tell you que ton nom est écrit dans le livre de that vie. Your name is written in the book of life. L'ennemi ne pourra pas t'avoir. The enemy won't get you. He won't catch you. Ton nom est écrit. Your name is written. Le Seigneur te dit. The Lord tells you. Je vais te visiter bientôt. I will visit you soon. Attends-toi une puissante visitation expect bientôt. A very powerful visitation in a very few time. Le Seigneur te donne l'intelligence. The Lord gives you intelligence pour tes diplômes. For your diplomas, for your studies. Et tu vas beaucoup, beaucoup and le servir. You will serve him a lot. Continue à t'attacher au Seigneur. Press on to attaching yourself to the Lord. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh Père, merci. Thank you, Jesus. Papa, garde-la. Father God, keep her. Bénis-la. Bless her. Oh. Une guérison au niveau de son cœur. There is a healing in her heart. Que Dieu opère. And the Lord is operating. Wow. 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 Magnifique, Papa. Magnifique, Père. Dieu la console. The Lord is comforting her. Dieu t'aime. The Lord loves you. Son sang te purifie. His blood cleanses you. Te nettoie. Purifies you. Ah, il te connaît. He knows you. Il ne t'a pas abandonné. He hasn't given up on you. Oh, magnifique Seigneur. Wonderful God. Wow. Thank you, Jesus. Je veux te voir. Je veux voir le groupe tout ça. Anne à la fin. Veuillez me voir, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Dieu est bon. On va se revoir tout à l'heure. Ça va aller. Wow. Le Seigneur veut libérer quelqu'un ici. The Lord wants to free someone here. D'un poids. From a weight. D'un poids. From a load.
un fardeau. A burden. Tu n'en peux plus. You can't take anymore. Tu n'en peux plus. You can't take it anymore. Tu es lié. You are linked. Attaché. You are tied up. Il y a une délivrance qui arrive. And there's a deliverance coming soon. Une visitation qui arrive sur toi. A visitation coming upon you. Le Seigneur est en train de te libérer. The Lord is setting you free. De cette chose. From this thing. Cette saleté. This dirtiness. Qui t'enveloppe. That's wrapping you. C'est un esprit impur. It's an unclean spirit. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Seigneur, merci pour cette personne. Thank you, Lord. Thank you for this que person. Que tu délivres aujourd'hui. That you are delivering today. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Tu vas quitter ce corps. You will let go of this person. Personne. You will let go of this person's body. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Tu vas lâcher sa famille. Let go of her family. Tu vas lâcher sa vie. Let go of her life. Elle ne veut plus de toi. She doesn't want you anymore. Je veux que tu t'en ailles. I want you to go out. Au nom de Yeshua. To come out in the name of Jesus. C'est une délivrance que le It's Seigneur t'accorde. A deliverance that the Lord is allowing you to receive. Tu l'attendais depuis. You've waited it for a long time. Et aujourd'hui. But today. C'est ton jour. It is your day. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Seigneur, merci. Merci, Père. Thank you, Father. Wow. Sors. Come out. Sors. Come out. Sors. Come out. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Définitivement. Definitely. Et je ne veux plus que tu embêtes cette And femme. I don't want you to bother this woman anymore. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. La paix de Dieu. The peace of God. Père, au nom de Yeshua. Father God, in the name of Jesus. Dieu veut libérer son peuple. God wants to deliver his people. Dieu veut libérer vos vies. God wants to deliver your lives. Ces démons qui vous embêtent. These demons that are bothering you. Dieu veut les chasser. God wants to cast them out. Définitivement. Definitely. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Je commande. I command. À ces démons. All those demons. Vous allez quitter ce corps. You're going to come out of those bodies. Et ne plus y revenir. And never come back. Il y en a un qui m'insulte. There is one that is calling me names. Ce corps ne t'appartient pas. This body ain't yours. Je veux que tu l'abandonnes. I need you to come out of it. Je veux que tu t'en ailles. I want you to come out of it. C'est un ordre. And it's an order. Que je te donne au nom de Jésus-Christ. I am commanding you right now. Sors. Come out. Père, merci. Father, thank you. Merci. Thank you, Father. Merci. Thank you, Father. C'est pas fini. And it's not over yet. Quelqu'un d'autre souffre de la colère. Someone else is suffering from anger. Quelqu'un d'autre souffre beaucoup. Someone else is suffering from anger. À cause de cette colère. Because of this anger. Qui te prend? Qui t'anime? That's driving you. Tu en souffres. You are suffering from it. Tu n'en peux plus. You can't take anymore. Ça te cause beaucoup, beaucoup de problèmes. It causes many troubles. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. J'ordonne à la colère. I command anger. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Je veux que tu sortes. I want you to come out. Oh Père, merci pour ta fidélité. Father, thank you for your faithfulness. Dieu t'a franchi. The Lord is setting you free. Totalement. Totally. Dieu t'a franchi totalement. God totally sets you free. C'est fini la colère. Anger is over. Fini la colère. Anger is over. Fini. Anger is Au over. Yeshua. In the name of Jesus. Fini. Viens. Oh Seigneur. Tais-toi. Sors. Sors d'elle. Come out of her. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Sors. Come out. Dieu t'aime. God loves you. Dieu veut te guérir complètement. God wants to set you free. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Fini. It's over.
Dieu peut la libérer, n'est-ce pas? Au nom de Yeshua. Waouh. Il y a une femme ici qui pleure beaucoup à cause des maris de nuit. There is a woman here that is crying. Si je connais ta situation, c'est pas toi, c'est une autre. If I know your situation, it's not you, it's another. Elle est venue de loin. She came from afar. On a beaucoup marié les membres de ta famille aux esprits de nuit. Your family members have been married to nightly husbands a lot. Aujourd'hui. Today. Le Seigneur vient briser the Lord is breaking le lien de ce mariage nocturne. The tie of this nightly marriage. De ta délivrance, and from your deliverance, c'est toute ta famille que Dieu délivre. It's your whole family that the Lord is delivering. Au nom de Yeshua, in the name of Jesus, j'ordonne à cette chose. I commend this thing. De lâcher totalement ta vie. To let go of your life totally. De lâcher également to ton mariage. Of your au nom marriage de Yeshua, also in the name of Jesus. Le Seigneur brise toutes sortes de liens. The Lord breaks de all chaînes. Type of ties of au chains nom in the name Yeshua. Of Jesus Christ. Sort. Come out. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Dieu n'a pas changé, n'est-ce God pas? God hasn't changed, hasn't he? Ça va aller. You'll be all right. Il y a quelqu'un là-bas? Hein? Ok. C'est qui? C'est une dame. Je la connais. Amenez-la, moi. Bring her forward. Wow. Oh. Voilà ce mari de nuit. This nightly husband. Qui a peur. Who's afraid. On peut acclamer le Seigneur pour sa délivrance. Give a mighty hand clap to the Lord for her deliverance. Les gens souffrent beaucoup. People are suffering a lot. Il nous faut la puissance de Dieu. We need the might of the Lord. Amen. Au début de l'adoration, in the beginning of worship, le Seigneur me parlait d'une femme qui s'appelle Lord Henriette. Told me about a woman called Henriette. Et là, il me rappelle encore and ce prénom. It brought it back to my mind. Donnez-lui un sac parce give qu'elle her a plastic bag. Elle vomit des choses là. Because she's vomiting stuff. Oh. Père, merci. Father God, thank you. Lâche-la. Come out. Il y a une autre personne concernée par un mari de nuit ici. There's another person that's concerned by those nightly husbands. Je ne connais pas ton cas. I don't know your situation. Je le connais. But God does. Tu es là. You are here. Le Seigneur te voit. The Lord sees you. Le Seigneur connaît ton cas. The Lord knows your situation. C'est pour cela qu'il en parle aujourd'hui. And that's why he's talking about it right now. Tu soupires après cette libération. You long after this deliverance. Tu sens cette présence. You feel this presence. Qui veut te poursuivre partout. That wants to pursue you everywhere. Dans son amour. And in his love. Dieu vient poser sa main God sur ta comes vie. And lays hands upon your life. Et il vient te détacher. And he comes and detach you. Il y a des anges qui te détachent. Angels are detaching you. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Une libération qui s'opère. There is a deliverance going on here. Une délivrance totale. A total deliverance. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Mm-hmm. Tu sais que tu as déjà été vendu quelqu'un ici là. Someone else, you know you've already been sold. On t'a vendu déjà la mort. You were spiritually sold. La mort. Death. Tu la sens cette you mort. You feel it.
Tu sens cette mort. You feel this death. Le Seigneur t'aime. The Lord loves you. Il vient te voir. And he, il vient poser sa main sur toi. He lays hand on you. Il vient t'arracher he de la mort. You away from il vient t'arracher death. De la tombe. He takes you out of the tomb. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Il vient t'arracher de la mort. He comes and takes you away from the tomb. Mm-hmm. Tu te sens partir depuis quelque temps. You feel like you are going out of your body. Tu sens la mort venir you vers feel toi. Death drawing near. Tu vis la mort. You live tu sens la mort. You tu ressens it. La mort. You feel it. Et le Seigneur ne veut pas de cela. And il te fait grâce aujourd'hui. And he's been gracious to you today. De t'accorder la vie. To grant you life. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Alléluia. In the name of Jesus. Qui croit que le Seigneur peut libérer les gens? Is able to set free people. Qui le croit? Who believe it? Wow. Wow. Viens, ma sœur. Come here. Clins, alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour la paix, mon frère. De parler en langue, il faut qu'il y ait l'interprétation, sinon on se tait. La parole est claire. Bien. Oh. Merci Seigneur. C'est bon. Dieu l'a guéri là. Fini cette maladie. This disease is over. Fini. Tous les traitements. All the treatments are over. C'est réglé. It's over. Je la connais pas, mais Dieu me dit c'est réglé. I don't know her, but the Lord does. He tells oh. me it's over. C'est bon. Qui souffre du dos ici? Suffers from his back here. Qui a une ceinture par rapport à son dos? Who's wearing a belt? Tu l'as avec toi? In regards to his back pains. Bien. Venez vous garder des ceintures par All of you who are wearing back belts, come to the front. Dis à ton voisin, l'onction de guérison est là. Tell your neighbor, the anointing of healing is here. Oh, Dieu est magnifique. That's great. Tu l'as avec toi là? You. Ok, ceux et celles qui ont des ceintures par rapport à leur dos, sur place you là. Are wearing right now as I'm speaking. Tu l'as sur toi là? Depuis combien de temps? How long have you been wearing this belt? 2 ans. 2 years. Qui croit que Dieu peut le guérir? Who believes the Lord is able to cure him? Oh, Jesus! Oh, tu as une ceinture avec toi là? Oh. Au nom de qui peut le guérir? L'évangile que nous prêchons. Hein? Gospel that we preach. Alléluia. 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 Tu es baptisé? Are you baptized? Par immersion? By immersion? Non. À l'église. Tu es marié? Non. Non. T'as une copine? Oui. C'est prévu, hein? Ah non, mais tu m'as compris. Ah ah. Alléluia. En fait, Dieu te guérit, mais faut plus pécher. The Lord heals you, but you should not sin anymore. D'accord? Tu peux enlever ta ceinture là-bas. You can take off your back belt in a office. Tu l'as avec toi, la ceinture? Depuis combien de temps? How long have you been wearing this belt? Du mardi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, du jour? Oh là là là. T'as pas encore d'enfant là? Elle est jeune. Est-ce qu'on peut prier pour elle? We all pray for her. Alléluia. Oh Jesus. Jesus. Qu'elle soit guérie au nom de Yeshua. May she be cured in the name of Jesus. Alléluia, Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jesus.
Alléluia. Oh Lord. Tu peux aller l'enlever au nom de Yeshua. Go ahead and take it off in the name of Jesus. Elle est où ta ceinture? Where's your belt? À la maison. T'as pas mal aujourd'hui. Oh. Du quatrième étage, tu es tombé. She fell from okay. The fourth floor. Jesus. Comme tu es venu là quand même, on va prier pour l'arthrose, c'est ça? She has arthritis. Arthritis. C'est bon. Wow. Elle est toujours. C'est la première fois qu'elle vient, hein? I think it's the first time she's here. Qui l'a invitée? Who invited her? Hein? Vous pensez que le Seigneur peut vraiment? Do you think the Lord is really able to cure her? Wow. Ma sœur. My sister, le Seigneur Yeshua te guérit. The Lord Jesus is healing you. Définitivement. Definitely. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Ah oui, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. À genoux, mets-toi à genoux. Go to your knees. Go on your knees. Au nom de Jésus-Christ. Mets-toi, je. Go on your knees. Jesus. Ah, elle veille hein, toute la nuit comme ça, elle va. Waouh. À quel âge? 16 mois. Ah, elle va se mettre à genoux. She will kneel down. Elle va se mettre à genoux. Elle n'a pas le choix. She ain't got no choice. Cette chose aussi n'a pas le choix. This thing has no choice either. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Mm-hmm. Jesus. Holy. Hallelujah. Hallelujah. Le Seigneur tout puissant. Oh. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant, Roi des Rois. Seigneur, merci. Father, thank you. Tout puissant Dieu, tu es ça. Tu es ça. Le Seigneur, Dieu. Oh, oh, oh. Amen. Il y a une jeune fille tout à l'heure. L'onction avant le programme. Elle était dehors, l'onction l'a saisie. Les démons ont commencé à se manifester. Et le Seigneur, quelqu'un vient me voir pour me dire, tiens, ben, y a quelqu'un là-bas qui est sorti, les démons se manifestent dehors. Et tu peux faire des mouvements que tu ne peux plus faire, hein, frère. Hein? Donc, toucher la hauteur. Dès que c'est bon, tu me fais signe. As long as it's over and done, you let me know. Et là, on priait, je priais pour elle tout à l'heure. Before I prayed for her sister, le Seigneur me dit, elle doit confesser. The Lord told me she needs to confess. Ça va là-bas? Quelqu'un est tombé? Amenez-moi cette personne.
Bring this person to the front. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Tu vas lâcher ce corps démon. You will come out of this body, you demon. Tu vas t'en aller définitivement. You will come out definitely. Lâche-la. Come out. La mort. Death. Tu vas lâcher ma sœur. Come out of my sister. Lâche-la. Come out. C'est un esprit de mort qui commence à vouloir frapper la famille. Avec des maladies terribles. Bringing terrible disease. Elle est appelée par le Seigneur. She's called by the Lord. Lâche-la. Come out. Sors. Come out. Sors. Come out. Sors d'elle. Come out of her. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Tu ne peux pas la détruire. You can't destroy her. Tu vas prendre toutes les maladies et t'en aller définitivement. Come out maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Yeshua. Right. Sors d'elle. Sors d'elle. Come out of her. Let go of her. Tu peux la laisser, il n'y a pas de problème. Amenez-moi une petite bouteille d'eau là, c'est pour lui donner à boire. C'est pas pour chasser le démon avec ça, c'est pas ça. Parce que beaucoup sont tellement tordus qu'ils sont là. Soyez les bienvenus. On attend aussi que vous fassiez, que vous chassiez les démons aussi. Voilà. On est dans cette présence du Seigneur. Je so sais as que we are here in the presence of the Lord, il y a quelque chose qui arrive. There is something coming. Et on est là. And we're here. Voilà, Dieu est bon. God's good. Donc je disais cette jeune fille, le so Seigneur like me dit, girl, je priais pour elle, le Seigneur me dit, I was praying for her and the Lord told me, arrête. Stop. Envoie une femme pour parler avec elle. Send a woman to talk to her. J'ai envoyé une sœur pour parler avec elle. I sent a sister to talk to her. Et ensuite on m'a dit, and then they told me, il se passe beaucoup de choses. Things are going down. Elle est là, cette sœur? Is this sister here? Est-ce qu'elle veut confesser? Does she want to confess? Je ne sais pas si elle veut confesser. I don't know if she wants to confess. Je crois qu'elle est au 24. I think she's in the other building. Tu vas la voir? Parce qu'on m'a dit qu'elle voulait parler. Because they told me she wanted to speak. Et je vous assure, c'est terrible ce que les gens vivent. And I tell you the truth. People are going through hard stuff. C'est bon? C'est la première fois que tu viens ici? C'est pas la première fois? Tu es baptisé? Un an et demi. Tu es baptisé? Tu es marié? Tu as des enfants? Pas encore? Vous êtes marié depuis combien de temps? Un an et demi. Un an et demi. Tu veux avoir des enfants? Oui. Et ça vient pas? Non. Ok. C'est cette chose-là qui bloquait tout ça. Hein? Donc maintenant, tu peux avoir autant d'enfants que tu veux. Donc, c'est bon. Va acheter dès demain si tu peux. Dès demain ou comme tu veux. Enfin, on est déjà demain. Tu peux acheter autant de berceaux que tu veux. Amen. Que le Seigneur te garde. Ok. Je peux quand même témoigner vite fait, non, parce que... Bien sûr. Merci. Alors elle a témoigné quelque chose de terrible. So she testified about something really terrible. Ça faisait des années qu'elle couchait avec son propre frère. It had been years that she was sleeping with her own brothers. Même père, même mère. Same father, same mother. Et par derrière. La sodomie. Anal sex. Vous vous rendez compte? Do you realize? Il y a beaucoup de choses de cachées dans la vie des gens. There are many things hidden in people's lives. Tu meurs comme ça, tu vas en enfer. If you die like that, you go straight to hell. C'est pour cela qu'à cause de la sainteté, ces esprits ne pouvaient pas why, because of holiness, those spirits entrer ici. Enter here. Qui veut confesser tout de suite la sorcellerie? Who wants to confess witchcraft right here, straight out? N'aie pas honte. Don't be ashamed. Tu veux aller au ciel? You want to go to the heaven? Tu veux être sauvé? You want to be saved? Tu veux abandonner le diable? You want to give up on the devil? Tu lèves ta main. Just raise your hand. Pas de problème. Le Seigneur est venu pour toi. The Lord has come for you. Il est venu pour te sauver. He's come for saving you. Seigneur, merci. Lord, thank you. Alléluia. Ça va?
Oh, alléluia. C'est la sœur d'Eddie, non? Ouais, Eddie est là. Mm-hmm. Le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur te restaure. On acclame le Seigneur pour elle. Let's give a hand clap to the Lord. Wow. Tu es marié? Be married. Le Seigneur te guérit, te restaure. The Lord heals you. The Lord heals you. Tu vas te marier, avoir des enfants et servir le Seigneur. You will get married, have children and serve the Lord. Tu vas témoigner le Seigneur partout. You will testify about the Lord everywhere. Le Seigneur a vu tes pleurs. The Lord has seen your crying in the name of Jesus. Oh, alléluia. Jesus. Thank you, Jesus. Oh, magnifique Seigneur. Thank you, Lord. Wow, c'est beau. It's so beautiful. C'est beau. It is beautiful. C'est réglé. It's over. Ceux qui veulent le baptême, venez. All those of you who want to get baptized, come forward, please. Come to the front. Et nous acclamons le Seigneur pour leur vie. And alléluia. We give a round of hands, a round of applause for the Lord, to the Lord. C'est un grand jour pour vous. It's a great day for you. I pray, you know. Combien Dieu est grand. C'est la bonne gamme là. Ça va, frère? C'est la première fois que tu viens ici? C'est pas la première fois. Pas la première fois. Ok. Waouh. Oh, Dieu t'aime. Tu pleures de joie. Oh. Waouh. Tu sais que Dieu te guérit en même temps? Lord is healing tu sais que Dieu time. Te guérit en même temps ce qu'il me dit là. You know what he tells me il to tell te délivre you? En même temps. He lâche you là. The same time. Come lâche. Out. Come out. Lâche. Come voilà. Out. Sors. Jesus. Oh. La malédiction familiale. Dieu family l'a curse. Prise. The Lord is breaking. Is the Lord breaking? Pour le baptême, venez. Pour le baptême. Come to the front. Venez. Come to the front. Magnifique. Venez. Oh. Ça va toi? C'est toi l'étudiant là? Qui met le feu là, non? Ah, on s'est vu la dernière fois, non? Gloire à Dieu. Magnifique Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Alors, c'est la première fois que tu viens ici? Qui t'a invité? Ton ami. Ton ami. Wow. Et là, tu découvres Jésus-Christ. Je découvre. Gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Magnifique. Tous verront combien Dieu est grand. Oh, les âmes viennent encore. Alléluia. On acclame le Seigneur. Combien. Magnifique Seigneur. Oh, chantons-le combien. Tous verront combien Dieu est grand. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour eux? Do you want us to pray for Levons nos mains et Do prions pour eux. To pray for them? Oh, alléluia. Que la puissance de Dieu vienne les remplir, les restaurer. Au nom de Yeshua. Oh, Père, merci. Father God, thank you. Magnifique Seigneur. Thank you, Jesus. Magnifique Papa. Thank you, Lord. Oh, Seigneur. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Holy God.
holy God, you are love. Et de là, oh, une telle présence de Dieu là. Such a presence of the Lord. Oh, Jesus. Et de là. Et de là, Karine. Lève tes mains. Oh, alléluia. Wow, magnifique. Jesus. Magnifique. Oh, God. Jesus. Oh, alléluia. Une onction sur moi, là. Jesus. Jesus. Oh, alléluia. Jesus. Alléluia. Oh, chantons-le. C'est beau, hein? C'est beau, des chaînes qui explosent. Qui explosent. Tous ceux qui ont des chaînes ici, Dieu les brise. The Lord is exploding them. Jesus. Dieu les brise. Oh. Wow. Combien. Tous verront comme bien. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta nuée, Seigneur. La nuée de Dieu est là. La nuée de Dieu arrive en ce lieu. La nuée qui confirme l'appel que Dieu a mis sur toi pour aller crier comme une trompette. Oh Jésus de Nazareth. Oh Sébastien, amène-le au baptême. Sauvez Sébastien. Dieu console ton âme, jeune fille. Console ta famille. Oh, alléluia, sois fortifié. Dieu t'aime beaucoup, tu sais. Dieu te pardonne. Il pardonne tes péchés. Ouais. Oh, alléluia. Tu peux l'amener au baptême. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Wow. It is wonderful. Wow. Wonderful. Wow. Wow. Viens. 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 Il y a une onction sur toi là. Holy God. Holy God. Combien. 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 Oh, il y a quelque chose sur toi. Dieu te console. Aide-la. Oh, alléluia. Magnifique Seigneur. Oh, les gars. La nuée arrive en ce lieu. God is coming in. La nuée de Dieu. The cloud of God. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Seigneur, merci. Dieu est grand. C'est bon le baptême, alléluia. Le baptême, alléluia, gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Viens, jeune fille. Combien. Jesus. Oh, alléluia, magnifique Seigneur. Viens, il y a une guérison pour toi là. Alléluia, Jesus. Jesus, Jesus, aidez-la, 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 il y a une guérison là. Dieu guérit ta vie là, ça sort au nom de Yeshua, alléluia. Oh, il y a quelque chose là que Dieu lui accorde là, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Tu vas la lâcher. Come out. Définitivement. You come out. Tu vas la lâcher définitivement. You come out definitely. Quand Dieu l'appelle au nom de Yeshua, alléluia. Oh, alléluia. Une restauration là, une restauration là. Oh, il y a une restauration, une guérison divine au nom de Yeshua. Divine healing. Oh, alléluia, Jesus. Il y a une onction sur elle là. Bien, tu la connais? Hein? C'est ta soeur. Il y a un réveil qui arrive dans la famille. Un réveil qui arrive dans la famille au nom de Yeshua, alléluia. Oh, oh, Jesus. Et de là, il y a quelque chose ici là. Il y a une onction terrible là, 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 là.
regarde le feu de Dieu. Regarde le feu ici là. Regardez-moi ici là, le feu de Dieu. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh, il y a quelque chose ici là, oh Jesus, Jesus. Il y a quelque chose ici là, Seigneur. Oh Dieu, te purifie encore. Jesus, te purifie encore. Oh Jesus, alléluia. Regarde-moi ça ici, regarde-moi ici là. Le feu qui est ici là, la gloire de Dieu ici là. Et de là, wow, et de là, fais fort sur elle. Et de là, wow, je l'attendais ce feu là. Je l'attendais ce feu. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Dieu va te renvoyer en Australie. Australie, oui, encore pour évangéliser. Prépare-toi. Prépare-toi. La Réunion, Australie, la Réunion, Australie, Canada, États-Unis, tout ça là. Oh, alléluia, Jesus Christ. Oh, il y a quelque chose, là, quelque chose. La puissance de Dieu ici là. La puissance de Dieu ici là. La gloire de Dieu. Oh, aide-le. 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 Là, 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 là. Là, 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 voici la puissance de Dieu. Voici la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. Oh. Aide-le. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus. Des chaînes qui tombent. Des chaînes qui sont brisées. Jeune homme, Dieu t'appelle. Tu vas aller voir beaucoup de sportifs pour apporter l'évangile auprès des sportifs. Dieu va te faire connecter, te connecter aux sportifs afin que tu annonces l'évangile et beaucoup vont se tourner vers lui. De tout mon être, de tout mon être, tous ensemble. De tout mon être. Sa présence est là ce soir encore. Jesus. Alléluia. Oh, c'est magnifique ce soir. C'est glorieux ce soir. Alléluia. Il y a quelque chose ici. Adèle, Dieu te oint. Adèle, Dieu pose sa main sur toi. Dieu te dit, tu es ma trompette. Tu es une trompette, ma fille. Tu es une trompette, ma fille. Tu es une trompette, ma fille. Oh Jésus, oh Jesus, oh Jesus, Holy God, Holy God, voici la puissance et de là, oh, elle, ramène-la-moi là-bas, là, ramène-la-moi là-bas. Oh, une onction ici, là, une onction ici. Holy God, Holy God, de tout mon être, tous ensemble, on y va tous ensemble. De tout mon être. Oh Jésus, il est là. Voici la puissance de Dieu. Oh alléluia. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici là. Il est là. Dieu te remplit encore. C'est moi qui t'ai confié ce journal. C'est moi ma fille. C'est moi ma fille. Je te donne. Je te donne cette force, cette plume. Tu vas encore écrire et tu vas écrire ce livre sur l'Antichrist. Tu vas le sortir, ma fille. Oh Lord, oh Lord God, my God. Merci. Et de là, et de là, et de là, et de là, il y a quelque chose ici. Dieu pour sa puissance, alléluia. Oh, de tout mon être, tous ensemble, on y va tous ensemble. De tout mon, voici la puissance de Dieu. Oh la gare, alléluia, alléluia. Voici la puissance de Dieu, et de là. Oh, holy God, Jesus, et de là, et de là, et de là, et de là. Oh, alléluia, Jesus. Oh Jésus de Nazareth, adore-le. Que tu es grand. De tout mon être. Que les enfants.
attend pour enseigner les enfants, pour éduquer beaucoup d'enfants dans des centres ici et là au nom de Yeshua. Dieu te dit, tu me serviras dans les nations, tu me serviras. Dieu répond à ta prière. Dieu te dit, je te connais. Dieu suit tes larmes et Dieu amène la lumière dans ta famille. Dieu brise les chaînes de la maladie, les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la mort dans ta famille au nom de Yeshua. C'est Dieu qui t'a donné le rendez-vous ce soir. Il a des projets pour toi. Il a un plan pour toi. C'est un rendez-vous divin ce soir avec le Seigneur. Tu aimes le Père, tu aimes le Père Céleste. Et Dieu te dit, prépare-toi. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Seigneur, merci. Comment ne pas t'adorer? Oh Jésus! Adorons-le! Oh Jesus! Alléluia, Jesus! Oh Jesus! Alléluia, Jesus! Oh Lion! Voici la puissance de Dieu! Jesus! Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Seigneur, merci. Là où tu avais mal, bouge, là où tu avais mal. Comment ne pas t'adorer? Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je voudrais te dire merci. Car tu as une armée. Lord, I would like to thank you because you have an army. Des jeunes. Young. Oh. Le Seigneur dit à la jeunesse. The Lord tells the youth. Je me suis réservé des jeunes. I reserved a youth. Qui n'ont pas fléchi le genou devant le sexe. I haven't knelt down before sex, immorality, sexual immorality. Ces jeunes-là, those youth, avant l'enlèvement de l'église, before the rapture of the church, ils vont être saisis par Dieu will be seized by God pour embraser d'autres jeunes. To set other youth on fire. Parce que ces jeunes sont déterminés. Because those youth are determined. Ils sont passionnés de Jésus. You're passionate of Jesus. Ils vont allumer le feu du réveil. They will set revival fires. Ils savent ce qu'ils veulent. And they know what they want. Ils savent où ils vont. They know where they go. Ils savent d'où ils viennent. They know where they come from. Ils aiment la parole. They love the word. Ils vont partager de plus en plus la parole. They share the word of God more and more. Partout où Dieu va les envoyer. Wherever the Lord is going to send them to.
ils feront la différence. They'll make the difference. Dieu me dit, jeune. The Lord tells me, youth. Jeunes gens. Young people. Je ferai la différence. I'll make the difference. Entre vous. Between you. Et les religieux. And the religious. Beaucoup de musulmans. Many Muslims. À qui vous prêchez ma parole. To whom you preach the gospel. Feront ma gloire. Will see my glory. Vous êtes là. You are here. Les jeunes hommes. Young men, vous prêchez beaucoup la parole aux musulmans. Preach the gospel to the Muslims. La puissance de la résurrection va vous accompagner. The resurrection is going to come. Les aveugles vont voir. Blind people les sourds vont entendre. Deaf people will les morts seront ressuscités. Dead will be resurrected. Au nom de Yeshua. Jesus. Il y a des gens qui viendront vous voir. There are people who will come to see you. Qui vous diront, nous voulons, nous ne voulons plus vous lâcher. And they'll tell you, we don't want to let you go anymore. Parce que ce que nous voyons avec vous là. Because what we see with you. On ne le voit pas ailleurs. We don't see it elsewhere. La présence de Dieu. The presence of God. La présence de Dieu. The presence of God. La présence de Dieu. The presence of God. La sainteté. Holiness. La sainteté. Holiness. Il y a des Jean-Baptistes ici. There are some John the Baptist. Dieu me dit, c'est la génération de Jean-Baptiste. God told me, this is the generation of John the Baptist. Préparez le chemin du Seigneur. Prepare the way of the Lord. Préparez le chemin du Seigneur. Prepare the way of the Lord. Sanctification. Sainteté. Holiness. Crainte de Dieu. Pure. La repentance. J'ai une armée. I have an army. J'ai une armée. I have an army. J'ai une armée. I got an army. Ces jeunes, this youth, ne prêchent pas une église. Don't preach ne prêchent pas une dénomination. Don't preach a denomination. Ils sont amoureux. They're in love. Ils sont assoiffés de Jésus. They're thirsting after ces jeunes filles, those young girls, gardent leur virginité. They keep their virginity. Ne veulent pas coucher avec les hommes. They don't wanna lay, they don't wanna ces jeunes hommes, those young men, veulent se sanctifier. They wanna sanctify themselves. Dieu dit, God says, une particularité, a particularity, la particularité, the particularity, de ces jeunes, de ces moins jeunes, and all those, de ces hommes et ces femmes, those men and women, de la fin de temps, of the la particularité time, de leur, the particularity, de ces personnes, of those people, c'est la détermination. Is it determination? Ils sont déterminés. They are determined. Ils sont déterminés. They are determined à aller jusqu'au bout. To go the distance. On les lapide. They stone ils continuent. They stone them, they continue. On les critique. They criticize them. Ils continuent. They continue. On les attaque. They attack them. Ils continuent. They continue. C'est la génération d'Élie. It's a generation of Elijah. La génération d'Élie. The generation of Elijah. Il y en a parmi vous. Some of you among us qui amèneront le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu s'exercera par vous. The judgment of God will come to pass through you. Préparez-vous. Prepare. Préparez-vous. Prepare. Dieu dit. God says. Clin son baisse un peu. Dieu dit. God says. Si je vous ai rassemblés. If I gathered you up like this. Ce n'est pas en vain. It is not in vain. Car il y a une préparation. Because there's a preparation. Dieu prépare. God is preparing. Ses élus. His elect. Tu ne voulais pas venir ici. You didn't want to come here. Mais Dieu t'a poussé. But God pushed you. C'est parce que tu fais partie. That's why you're part. De ces hommes et ces femmes. Of those men and women. Que Dieu prépare. That God is preparing. Ensuite. Then. Il t'enverra loin. He will send you afar off. Loin. Afar off. Tu es une femme solitaire. You are a lonely woman. Tu es un homme solitaire. You are a lonely man. Comme Jean-Baptiste. Just like John the Baptist. Voilà pourquoi Dieu. And that is why. T'as amené ici. God has brought you here. Confirmer ce qu'il a mis en toi. Confirm what is put into you. Ils te feront la guerre. They will fight you. Mais ne pourront pas te détruire. But they will not defeat you. La vie sur terre t'ennuie. Earthly life bores you. Tu t'ennuies sur terre. You are bored on earth. Dieu me le dit. God tells me. C'est pour cela. And that's why. Dieu te dit. God says. Tu vas achever l'œuvre. You will achieve the tu mission. Tu vas achever la mission. You will achieve the mission. Je veux te garder. And I will keep je you. Je te garderai jusqu'à la fin. I will keep you till the end. Tu vas arriver. Tu vas y arriver. You'll make it. Grâce à mon esprit. Thanks to my Holy Spirit. Pour tes parents.
As far as your parents, je m'en occupe. I take care of him. Toi, you demeure dans ma présence. Dwell in my presence. Pour ton père, for your parent, for your father. Je m'occupe de ton père. I take care of your father. J'ai entendu tes larmes I pour heard ton père. Your weepings. Je le guéris. I heal him. Je me révèle à lui. I reveal myself to him. Pour sa conversion. For his conversion. Mais toi, ma fille. But you, my daughter. Ne baisse pas les bras. Don't let go. Dieu te dit, ma fille. God says, my daughter. Tu vois bien que je te connais. You know that I know you. You see that I know you. Je délivre ton père. I deliver your father. Je le délivre. I deliver him. Le Seigneur te dit. The Lord says. Tu as vu. You saw. Tous ces sorciers dans ta famille. All the sorcerers in your family. Tes parents ont your, peur d'eux. Your parents, they scared him. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Them, and that's why I called you. Je te place. I place you. Au sein de ta famille. Among your family, in the very center of your family. Comme un roc. Just like a support. A comme support un roc. Rock, like a support rock. Comme un roc. Rock, like a support rock. Par toi. Through you. Je fermerai la bouche. I will shut the mouth je up. Fermerai toutes ces bouches. I will shut all those mouths up. C'est pour cela que demeure dans ma présence. That's why I dwell in my presence. Hallelujah. Je t'invite encore dans ma présence. I invite you all the more in my presence. Je t'invite encore dans ma présence. I invite you all the more in my presence. Tu es sorti de ma présence. You went out of my presence. Tu dois revenir. And now I call you back in. Reviens à ton premier amour. Come back to your first love. Repens-toi. Repent. Repens-toi. Repent. Reviens. Come back. Reviens. Come back. Sanctifie-toi. Sanctify. Sanctifie-toi. Sanctify. Sanctifie tes pensées. Sanctify your thoughts. Sanctifie-toi. Sanctify. Le Seigneur te dit. The Lord says. Tes enfants. Your children. C'est moi qui te les ai offerts. I offered them to you. Tu vois comment tu les aimes? You see how much you love them? Le Seigneur te dit. The Lord says. Eh bien, beaucoup de mes enfants. So then, many of my children. Se perdent. Are getting lost. S'égarent. They are led astray. J'ai mis des talents en toi. And I've put talents pour within les you éclairer. To light them. C'est pour cela. And that is why. Tu ne dois pas te taire. You should not. Tu be ne quiet. Dois plus te taire. You cannot be quiet tu dois anymore. Parler. You need to speak out. Tu dois écrire. You need to write. Tu dois sonner le you chauffard. Need to sound the trumpet. Oh Lord. Viens. On peut prendre place. We may be seated. Laissez-la, elle va venir. Let L'Esprit, go, la va venir ici. Herself. Viens ici. Come here. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. À genoux. Kneel down. À genoux, démon. Kneel down, you demon. Oh, c'est la nuée que j'attendais. It's the cloud that I was expecting. Cette jeune fille. This young girl. Le Seigneur veut la rendre libre. The Lord wants to set her free. De ces esprits impurs. From those unclean spirits. De ces esprits qui veulent la détruire. From those spirits who want to destroy her. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh. Voyez quand la nuée vient comme ça. See, when the cloud comes along les démons like that, sortent facilement. Demons come out. Oh Lord. Wow. Wow. Je vois un autre démon. I see another demon. Qui s'accroche à cette personne. It's clinging qui me tourne le dos. Onto this person that is turning his back qu'il a from très me peur. Because it's really afraid of me. Cet esprit and this demon te paralyse. Is paralyzing you. Cet esprit t'empêche this demon stops you d'aller plus loin. From going any farther. Le Seigneur dans son amour but the Lord in his love veut nous rendre libres. Wants to set us free. Si le Fils vous a franchi, if the Son of Man vous sets you free, réellement libre. You shall be free indeed. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Esprit. Spirit. Quel est ton nom? What's your name? Oh, alléluia. Qui est venu avec elle? Who came with her? C'est la première fois qu'elle vient ici. Is it the first time she comes here? Wow. Le Seigneur l'aime. The Lord loves her. 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 Vous inquiétez pas, ils peuvent pas, ils peuvent rien faire contre they moi. They can do anything against us. Comme d'habitude, il y a un mur. Just like usual, there's a wall. Voyez non? See? Oh, le Seigneur est en train de la déterrer là où the on l'a enterrée. The Lord is digging her out where she's being buried. Là où on l'avait enterrée. Where she was buried. Il y a un cercueil. There's a coffin. Dans lequel on l'avait mis. In which she was buried. Ah ouais. On va, vous n'allez plus la tuer. You won't kill her anymore. Vous n'allez plus la sacrifier. Y'all ain't gonna vous n'allez plus la sacrifier. You're not gonna sacrifice her anymore. Vous ne pouvez plus la sacrifier. Y'all can't do anything et vous le savez. Y'all know it. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus.
In the name of Jesus. Mm. Fini. It's over. Jésus est bon. God's good. Mm-hmm. Elle a besoin de Jésus. She needs Jesus. Elle a besoin de le servir. She needs to serve him. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh, Jesus. Magnifique Seigneur. Elle vient d'où là? On acclame le Seigneur. C'est beau. Oh. Elle était quelque part. Hein? Vous l'avez transportée? Elle est venue toute seule? Oh. À genoux. À genoux. À genoux au nom de Jésus. Voilà. Oh. Ça sort. Elle va vomir là, un sac là. Oh. Un sac. Oh. Faisons un coucou comme ça au Seigneur. C'est beau. Ça sort. Là, vous savez pourquoi ça sort comme ça? Ils sont frappés par les anges. They were stricken by angels. Ah ouais. Vous voulez jouer au grand? Et une armée qui descend. You want to act tough? Alléluia. Army of angels. Oh, Jesus. C'est pas fini, hein? It's not over yet. Ce n'est pas fini. It ain't over yet. Non, ce n'est pas fini. Oh, Jesus. Jeune fille là-bas. Younger. Jésus t'appelle. All the way down. At the bottom. The Lord ouais, is calling toi you. Toi derrière là, ouais. Ah, toi. Dieu t'appelle. Tu sais ça, non? Ouais. Tu es baptisé, non? Pas encore. Hein? Are you baptized? Tu es baptisé? Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Je vais prier pour toi tout à l'heure. C'est pas fini. It's not over yet. Une personne. Quelque chose marche dans son corps. Something is walking in her body. Comme un serpent. Like a serpent. Quelque like chose a snake. Se déplace. Something is crawling like a snake. C'est pas normal. And it's abnormal. Tu vas sortir. It's gonna come out. Je m'adresse à toi. I'm addressing you right now. Tu vas sortir de ce corps. You will come out of this body. Tu vas sortir de ce corps. You will come out of this body. Au nom de Jésus, je dis maintenant, I say right sors de là. Come out. Tu vas lâcher ce corps. Come out of this body. Ce petit serpent, il est tout petit comme ça. This little tiny snake. Mm-hmm. Ça va lâcher ton corps, t'inquiète pas. Ça va lâcher ton corps. He's gonna let go of your body. C'est en train de sortir. Voyez le démon ce démon là qui fait des grimaces. Ça c'est. This demon that are making faces, that is making faces. Ça c'est un démon en forme de chien. It's a spirit. It's a dog faced. It's a dog shaped spirit. C'est ce démon là qui travaille beaucoup aussi dans le domaine sexuel. And it's also this demon that is working in the sexual activities. Vous voyez ça? You see? C'est terrible, hein? It's really terrible. Nous avons besoin du discernement des esprits. We need discernment of the spirits. Cet esprit travaille beaucoup avec des personnes qui sont attachées au sexe, les prostituées, tout ça. This spirit works with people that are attached to sexual activities. On l'appelle aussi l'esprit impur. We call it also the unclean spirit. Là, s'il le pouvait, hein, if it could, il me tuerait. It could kill me straight away. Mais il ne peut pas parce que là, il y a comme je vous dis, because like I said, there's a wall. Mur, il y a des anges autour de there nous. Are angels all around us. Oh. Dieu est bon. That's good. C'est l'hôpital, hein? It's a hospital out here. Veille de la jeunesse, mais en même temps, c'est l'hôpital. Vous vous inquiétez pas, on va encore louer Dieu et on va vous. C'est bon? Est-ce que vous voulez que le Seigneur guérisse son peuple? Do you want the Lord to cure his people? À genoux, au nom de Jésus. You go on your knees in the name of Jesus. Maintenant! Right now. Mm-hmm. Toi, tu penses que ce corps t'appartient là? You really think this body belongs to you? Wow.
Waouh. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lève-toi, jeune fille. Stand up in the name of Jesus. Ça va? Wow. C'est bon. It's over. Ta main. Your hand. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Reach out your hand. Ta main. Your hand. Reach it out. On donne des ordres comme ça. We give orders. Ils obéissent. They obey. Bien sûr. Yes, they do. On nous a donné le pouvoir. We were given the power. À genoux. You go on your knees. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Vous allez tous sortir. All of y'all will come out of here. Je vous envoie très loin d'ici. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. All of you come out and I send you in the dry places. Je vous envoie très loin d'ici. I drive you out in the dry places in the name of Jesus. Ils sont en train de me dire. Ils sont en train de me dire. They were telling me. Il y a aussi des membres de leur famille qui collaborent avec. That there are also family members that are collaborating with him. Un lien. Like a link, like a que tie. Nous coupons, que nous brisons. That we break off right now in the name of Jesus. Au nom de Yeshua. Mm-hmm. Yes. Vous allez me dire, mais comment il fait pour vous entendre? You will tell me how does comment he break off les ties? Entendre? How does he heal them? Le discernement des esprits. It's called discernment of spirits, y'all. À genoux. Au nom de Jésus. Go on your knees right now. Voilà. À genoux. Go on your knees. Au nom de Jésus. In the name of voilà. Jesus. Ne bougez plus son corps. Don't move your body anymore. Don't move Fini. An inch. It's over. Voilà. Maintenant. Now. Vous allez all of you, simplement all sans simply, bouger son corps without moving your body sans around, secouer son corps without shaking your body around, vous allez sortir y'all gonna come out of this et ne body plus and y revenir never, ever come back. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Comment tu t'appelles? What's your name? Hein? Comment? Nelva. Nelva, lève-toi. On acclame Jésus. Let's give a hand clap to the Lord. C'est simple. Simple. La foi. L'autorité. Authority. Tu es baptisé? Are you baptized? Non. Quel âge as-tu? 20 ans. Tu as un petit, as-tu un petit copain? C'est bien. Bon. Tu veux te faire baptiser? You want to get baptized? Tu es choqué? Are you shocked? C'est la première fois que ça t'arrive? Is it the first time it ever happened to you? Oh, Dieu God comforts you. On acclame le Seigneur pour elle. Give a hand clap to the Lord. Oh, alléluia, merci. Alléluia. Wow. Come on, ayo. Na 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 oh ah don de Dieu est là, merci Seigneur. Tu veux le baptême? Alléluia. Allez la baptiser tout de suite. Na 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 na